Yo les gars! Yo les gars! Quelle intro de bonne foi! On va le mettre du côté droit parce qu'il y a le contre-jour. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Basto Suite, on est là pour manger des frites. J'espère que tout le monde va bien, car moi je vais bien, c'était une bonne journée. Je suis encore dans la 206, appareil photo au volant, purée. Je sais pas si c'est dans le règlement du côté de la route. Et oh les policiers! Je dois la rendre aujourd'hui, je dois récupérer la Golf à 14h. Et du coup, regardez, en réserve. Oh là, je lui mets pas d'essence, frérot. Eh, il m'a passé une 206. Oh là, on dirait une emprise de masse. J'ai mis 10 euros, je mets 10 euros tout le temps. J'ai mis 30 balles en 3 jours. Sans plomb 95 là. À 1,38€ le litre. Damn. Du coup voilà, direction la salle. Au programme. Je vous le dis pas, je spoil pas la séance, sinon personne reste que la fin de la vidéo. Du coup au programme. Moi je viens de dire que tu spoil pas la séance, t'es con. Non, j'ai pas fait exprès. Du coup au programme. Vous allez découvrir, on va se faire une bonne séance les gars. Voilà, en pleine direction, en réserve. Je mets pas d'essence. Et oh, du coup programme, séance 2 les gars, séance 2. Je vais me mettre aux tractions de l'ST. Je suis pas chaud, j'ai mal à mon poignet en ce moment. Je repars sur un nouveau programme parce que je vous mens pas qu'en ce moment je suis très fatigué. J'arrête pas de faire du lourd, que des PR, j'arrête de faire que du lourd. Ah c'est ça, moi en fait, pour faire du muscle, faut au minimum choquer le muscle. Et moi j'allais être le choquer à toutes les séances. Ouais, mais il y en a qui vont dire faire 15 répétitions, c'est mieux pour l'anabolisme. Et l'hypertrophie. Je suis pas habitué à travailler comme ça. Moi ce que je suis habitué à faire, c'est travailler lourd, jusqu'à que je monte et je peux plus porter. Et après je redescends en termes d'intensité et de répétition, voilà. Ça fait des années que je travaille comme ça. Du coup, pour ce programme, c'est difficile pour moi, parce que je suis tellement habitué à mon programme, qui m'a fait évoluer, tout ça, etc, etc, que, enfin, ça devient difficile d'aller vers un nouveau programme. Il faut que je fasse l'effort d'aller vers un nouveau programme. En fait, c'est pas vraiment un nouveau programme, c'est vraiment le détail de mon programme. C'est vraiment passer sur du lourd répétition. Parce que je suis tout le temps en train de travailler lourd, de 5-6 reps, voilà. Et ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en longue répétition, c'est-à-dire de 10 à 15 répétitions. Ça peut vraiment changer la donne sur moi. En sachant que là, j'essaye de peaufiner au maximum mon physique. Et du coup, le programme de la séance, ça sera quoi? Ça sera des tractions lestées, ça fait au moins 25 ans que j'en ai pas fait. Mais en fait, j'en ai pas fait depuis ma naissance. Et du coup, là, on va se taper un peu de traction lestée. Il va y avoir du monde, du coup, ça sera difficile. Là. Oh là, on est mieux, je pense. Là, il va y avoir du monde, du coup, ça sera un peu costaud à filmer. Du coup, on va se faire discretos. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse. J'ai pas envie de signer des autographes dès aujourd'hui. Car il va y avoir du monde, ça, je le sais, tu vois. Là, il est quelle heure? Là, il est 10h05. Nous sommes le vendredi 3 juillet, la vidéo sortira donc ce soir normalement. C'est comme ça! Yo les gars, bon, je me suis changé, c'est parti. Écouteurs, musique, vous connaissez la devise. On va commencer par des tractions lestées, on va faire du lourd. Vu que j'ai jamais fait traction de lestée, abonnez-vous, activez la cloche, surtout c'est important. On est bientôt 3000, du coup, non, je rigole, on est 2030. On vise les 3000 là, du coup, soutenez-moi, likez, partagez, activez la cloche. Bon les gars. On va commencer avec du lourd, hein. Lol. J'ai jamais fait de l'est, là on va commencer avec 10 kilos. C'est lui qui m'a chauffé, c'est le caméraman. Hein. Ouais. Je dis caméraman parce qu'en fait il est vidéaste, c'est monteur interpréteur. Du coup là on va essayer 10 kilos, on va voir notre max. Ouais. Ça commence bien. C'est dur hein, la prise. Elle est grosse là-bas. Hein? Elle est grosse là-bas. Ouais, ça fait regarder ce que j'en peux. Bon les gars, on dirait que je fais une série de squats là, je crois que je suis stressé là. J'ai jamais fait les tractions, je prends des initiatives tout seul. Hein. J'ai jamais testé ma kilo, mais je les prends quand même parce que j'ai envie de tester. Du coup là, faut arrêter encore, ça me fait un tapé bizarre, non, avec la ceinture comme ça. Je pense pas qu'il me monte après toi. Les gars, on va mettre 50 direct, je crois. Ça va, ça commence. Hein? Lourd. Il dit ça va, il est déjà. Hey, voilà, il est déjà fatigué. Ouais. Bon, on va mettre 30 kilos, les gars. Bon, les gars, je vais mettre 30 kilos. On va faire une rep, on va pas se cramer bêtement comme le squat. Hein. Vous savez pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que ce soir c'est cheat meal. Ça
fait 5 mois, j'ai pas mangé dehors, les gars, depuis le 13 mars. Depuis que je reviens de Marseille. Ouais, l'eau. Ça glisse. Allez. Bon, les gars, on redescend à 20 kilos. Maximum de reps par 1 kilo. Hein. Si j'en fais une, c'est... laisse tomber. Voilà. Là, je la mets pas si j'en fais une. Tu le cales derrière toi. Il y a l'arrière maintenant, du coup c'est mieux. Tout à l'heure il y a l'avant, du coup j'allais vers l'avant. Là on va peaufiner sur du tirage poitrine. Là les tractions franchement c'est très dur. Enfin c'est pas que c'est très dur, j'ai pas l'habitude de taper des tractions. Actuellement en deuxième exercice, on va essayer d'en faire entre 6 et 8 reps. Voilà, la dernière série, je crois. Non, c'est mieux. Ouais. Après on tape. Propre. Ouais. Les gars, faut savoir que sur les tractions, j'ai arrêté de mettre des sangles sur les tractions. Pour les tirages, les exercices d'eau, on met plus de sangle. Mais en fait, j'ai tendu mon doigt, ça m'a niqué. En fait, depuis que je mets plus de sangle, ben ça me nique mes doigts. Et du coup, je suis moins performant, mais ma poigne, elle devient agile. Bon les gars, là on va passer sur du rowing, prise serrée pour l'épaisseur du dos, sa mère. On veut des veines dans le cul, sur le dos. Du coup, vas-y, bouge. Non, faut t'accouter, nous, vas-y, ouais. J'ai fini par 66 kg une dégressif, mais j'ai dû stopper, j'ai trop, regardez, j'ai trop mal à ma main, celui qui a un petit plan là, franchement, j'ai très très mal. On se retrouve pour le quatrième exercice, là on va plus s'amuser, ça fera de l'isolation, vu que là, je suis flingué, voilà, je suis fatigué. Yo les gars, on va passer au rowing
grooming alter, bûcheron, comme vous l'appelez, ou bûcheron ou tirage de mer. Bon les gars, on va passer sur le dernier exercice. Pourquoi je fais ça en fait en ce moment? Parce qu'en fait, j'ai cramé mon système nerveux. En ce moment, je dors mal. Je pousse tout le temps lourd. J'ai envie que de pousser lourd. De faire que du lourd. Là, je suis en train de ravitailler mon entraînement. Du coup, sur les premiers exercices, je vais aller mollo. Enfin, je veux pas aller mollo. Je vais donner de la puissance, mais je vais faire du lourd, mais sur des plus longues répétitions. Par exemple, au lieu de prendre 50 kg avec l'air incliné, je vais redescendre à 46 pour faire des 10 reps, voire 44. Parce que là, à 50 kg, je fais 3-5 reps, mais je suis fatigué après. Du coup, la récupération nerveuse, elle est HS. Et les articulations, tout ça, je commence à avoir mal en ce moment. Yo les fratés. Non, c'est pas qui dit ça. C'est à moi qui me dis. Yo les fratés. C'est les Marseillais, je sais pas, non? Yo les gars, là, on va passer sur de la finition de l'isolation. Là, je vais faire un tirage poitrine à la corde. Enfin, un tirage poitrine. Je vais faire du pullover à la corde avec un rowing pulley basse. Regarde, je vais vous faire montrer. Je fais ça à la fin, ça me permet d'intensifier ma séance et de réveiller le système métabolique, enfin le métabolisme qui change, tu vois. Moi dans chaque séance j'ai des exercices d'intensification, du coup j'ai des biceps, j'enchaîne deux exercices à la fin où sur chacune de mes séries je vais monter en pyramidale et je vais redescendre en dégressive. En fait le but c'est de choquer dans tous les sens du terme. Si vous arrivez à faire des reps facilement, vous augmentez la charge jusqu'à temps que vous ne pouvez plus en faire. Quand je dis vous ne pouvez plus en faire, c'est pas une rep, c'est minimum. Vous faites 3 reps minimum. Et dès que vous avez plus de force, vous descendez directement, tac tac tac. Et là vous faites du volume. Comme je fais dans mes vidéos jambes, etc. Yo les gars, vidéo terminée. Du coup, j'ai testé les tractions. Franchement, c'est pas mon kiff les tractions. C'est très très dur. Et 35 kg, j'en ai même pas fait une à 35, j'en ai fait 2 à 30. Et franchement, je kiffe pas trop les tractions, mais je vais me forcer à les faire. Mais comme je vous ai dit, regardez ma main. Je sais pas si vous la voyez, elle est vraiment, elle est coupée. On dirait, je travaille dans, je sais même pas quoi. Du coup voilà. Du coup j'espère que cette séance vous l'avez kiffé, tout ça, etc., etc. Du coup, la séance elle était bien ou pas?
Non, toi, t'étais fatigué. J'étais un peu fatigué aussi. J'étais un peu fatigué, parce qu'il n'y a pas l'habitude de ce valeur-là. Vu qu'il est au chômage, ça fait un an, il cherche du travail à plein temps. Son père, il lui dit, va chercher du travail. Non. J'en ai dit, il me dit, je suis au chômage, je travaille plus que toi. Le mec a 20 ans, il a 35. Et je vais arrêter la force pendant un moment, pendant un ou deux mois, parce que là, mon système nerveux, il est vraiment HS, hein, il est hors sujet, il est dans tous les côtés, il est mort, il est nada. Du coup, là, je vais repasser sur du lourd, mais en plus longue répétition. Vous voyez, j'arrête pas le lourd, mais je vais arrêter le lourd sur du 1 à 5 reps. Là, je vais repasser sur du 8 à 15 reps. Voilà. On va faire plus de tension, on va travailler les muscles sous 30 secondes à 1 minute. Tiens, tiens, tiens. Du coup, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ton père est Instagram. Je rigole. Non, sans daron, il n'y a pas Instagram. Du coup, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Activez la cloche. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao.